Cendrillon version 2011, exit Walt Disney et les idées reçues, ça fume, ça jure, et en plus c'est drôle. Mais non ! Ils sont trop cons ! La pièce est signée Joël Pommerat, un auteur connu pour ses mises en scène, avant-gardistes et dépouillées. Il a rendu les choses totalement universelles, il y a des clins d'œil, le téléphone portable, la musique, enfin des tas d'utilisations modernes, mais sans exagérer. Et le décor qui est presque nu, et où pourtant on voyage complètement dans tous les univers. C'est simple, c'est beau, je suis partie là pendant 2 heures. Joël Pommerat a fait appel à une distribution exclusivement belge et axe sa vision de Cendrillon sur le deuil, une des nombreuses différences avec l'histoire originale. En fait, le papa ne meurt pas au début et les sœurs elles sont plus méchantes. Hey, salut Cendrillon. Et doucement avec la... Cendrillon est heureuse. Mais voilà, c'est pas le prince qui la rend heureuse, c'est elle-même. La différence, pas le soulier par exemple, voilà, c'est pas le soulier qu'on attendait. C'était pas une pantoufle de verre, c'était la pantoufle du prince. Prince. Bon, t'as quand même donné une de tes chaussures en souvenir, c'est bien, t'as raison. Voilà. Et vous êtes venu en carrosse là ce soir ou pas? En carrosse? Ouais. J'ai compris, en carotte. Non, on est venu en métro, sous la pluie, mais on ne regrette pas 2 secondes, quoi. Il faut y aller.